Je fais practice, je peux pas mettre la première? Oh putain, je suis con, c'est une boîte. Je suis fatigué. Bonjour tout le monde, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. L'aventure iRacing continue et on est en train de pleurer pour tenter de passer en classe B. Alors pour ça on a essayé de sortir un peu le portefeuille, on a sorti la Skip Barber avec notamment eh bien notre camarade Andy Wheeler qui est avec nous. Ben, salut à tous, j'enregistre aussi de mon côté, donc bonjour à toutes les personnes qui sont sur ma vidéo et on va essayer de faire du bon boulot. Et surtout, Emeric qui n'a pas ni la voiture, ni le temps de rouler avec nous, puisqu'il est en train de lui faire son casque, mais on l'a quand même avec nous. Il a la chaîne YouTube d'ailleurs. Voilà, on l'a quand même avec nos vocales. Et vous me voyez avec la petite caméra, donc voilà, de temps en temps sur iRacing ça changera. Il y aura peut-être cette caméra en plus. Ça ne va pas nous empêcher d'avoir la vue TV, bien entendu. Celle-ci sera aussi ajoutée au montage, et bien là-bas, de l'autre côté. À droite sur votre écran. On est donc en Skip Barber, cette petite monoplace très très fun. Bonjour à tous, sinon. T'as dit bonjour, Emeric, voilà. Non? Non. Ok, bonjour Emeric. Bon, c'est déjà beaucoup trop de mots pour une personne qui a pas de chaîne YouTube. Tu veux mal... Je rigole, bien évidemment. Le mal parlé est présent. Faut bien. Donc je disais donc, on est en Skip Barber, donc cette petite monoplace assez sympathique qui ressemble un peu à un gros kart, hein, on va dire ça comme ça. Et on est à Summit Point, on retrouve le circuit américain et on est dans le même split avec Andy, donc c'est plutôt cool. Et on va se lancer pour notre premier tour rapide. Avec 2T évidemment. Ah oui, il y a la F1 en gros. Yep, il y avait le Grand Prix tout à l'heure qui était diffusé. Bah là, il y a Silverstone à ce moment-là. Yep, c'est ça. J'en profite, j'ai l'un de mes abonnés qui a fini deuxième de la course, donc bravo à lui. Ah bravo. Sérieux? Ouais. Ah GG. Le magnifique Anto qui a fini deuxième, qui est parti quatrième, donc bravo à lui. Français ou belge? Français. GG. Il aurait été belge, j'aurais été « Oh c'est génial !» C'est un compétiteur incroyable. Compétiteur incroyable. J'ai pas vu combien on était dans le split, on regardera après. Je crois qu'on est une petite vingtaine. Ah, Emeric qui démarre la Porsche. Désolé, je suis désolé. J'essaie de faire discrètement, mais... Tu crois que depuis tout à l'heure, t'es quand même une station de lavage à toi tout seul, hein. Le mec, c'est un éléphant bleu. Ah, oh, l'éléphant bleu. Le dimanche matin, tous les kikis. Ah, alors si vous avez évidemment le dimanche matin pour aller laver votre voiture, on salue tous ceux. Je rigole. Tu l'as jamais fait toi peut-être? C'est ce que j'allais dire, j'en fais partie donc. Parce que lui il n'a peut-être pas de chaîne YouTube, mais il a une voiture. One more lap. Voilà. Ce qui est une différence avec nous deux. Ah oh, j'ai été disqualifié. C'est vrai. Sérieux? J'espère que j'ai été que disqualifié de la qualif. Ah! Non, c'est en fait, j'ai voulu faire le doute un le pénètre. J'ai voulu repartir en marche arrière pour regagner un petit peu de temps vu que je me suis planté. En parlant de traîner, Charles? Je suis entraîné, oui, elle est belle! Elle est belle! Juste devant toi, il y a Zolt Bordgardmer. Très dur à dire. Il y a Vamoisir, allez! Green. Départ très moyen. Car on your left. Right side. Still there. Go for us everywhere. Stay to the right. Stay on the right. Dites-moi quand vous avez avant. Still there. Partez en course. Ah, c'est fait. Ah. Still there. Hold your line. Clear on the left.
Oh là là là. Jouer avec le feu, lui, un peu. Car on your left. Still there. Clear. Car on your left. Still there. Hold your line. Clear. Bon, c'est un bon départ pour le moment. Je reste un peu englué dans le trafic, malheureusement. Pareil, je suis en plein dans le peloton. S'il y en a un qui se loupe, ça devient difficile. Mec, c'est pas où il va, à gauche, à droite? Le prochain virage il est pour moi, il est, à l'intérieur, il est dans mon intérieur, c'est, ça devrait être pas mal. J'ai dû laisser passer. Right side. Still there. Hold your line. Clear. C'est toi ? Bah ouais, fallait me pousser un trou du cul de merde ! Yann Bassi là ! Allez ! Fallait me pousser, il fallait juste soulager, ça passait, juste soulager quoi ! Ah, quel dommage ! Ah, on est retombé 17ème ! Yeah, yeah, sorry, no problem. J'en voudrais jamais à quelqu'un s'il s'excuse. Je pense. Il m'a fait sorry Maxime, j'ai fait yeah, no problem. Pas de problème. Des solutions. C'est dommage, on était dans un bon rythme en plus. On était proche du top 10, on allait y rentrer avec l'accrochage. Et là on se retrouve de nouveau. Bon, on est 13ème, je crois qu'on est tombé quoi 17, je crois, faut voir. Tu vas devoir piter ou pas? Non, non, ça va, j'ai juste été poussé en fait. Il s'est appuyé sur ma boîte de vitesse. Moi, je vais devoir piter. Pour les dégâts? Ouais. Ah oui, quand même. On a touché avec quelqu'un et j'ai pris un black flag with orange circle. Bah, personnellement, moi j'ai pris, je crois, un petit off-track, mais... Enfin, un contact x4, je crois. J'ai pas fait attention à ça, j'ai essayé plus de dégager la situation qui était un peu chaude. Mais au-delà de ça, ça va. Il y a beaucoup de gens qui rentrent, il y a toi déjà. Oh là là, c'est en difficulté devant de ouf. En difficulté ? Merci à tous. Et ce serait bien moi d'aller rechercher un top 10 après cette grosse frayeur. C'est une blague aussi. Car on your left. Clear on the left. Allez, vu que c'était un fast repair, j'ai plus de temps d'arrêt. On repart tout de suite. Clear, left side. Stay on the right. On est pile 13. Stay on the right. Clear. Centré, terminé. C'est pas parce que vous devez vous arrêter et utiliser un fast repair que c'est forcément terminé pour la course. Vous ferez pas le meilleur résultat de votre carrière, mais il y a toujours un petit résultat à aller chercher. Ah, c'est hier. Ça se limite à un drive-through quoi. En gros, c'est ça. Tout c'est de rester concentré et de pas. Pas céder à la panique. You got a slow car on the left. Slow car ahead, go right. Bon.
merde. Alors c'est un petit peu plus calme maintenant. On va protéger à l'intérieur. Stay on the right. Still there. Hold your line. Après pour le contact que j'ai eu, je pense être fautif malgré toi. C'était à la sortie du bordel qu'il y a eu et j'étais un peu déconcentré. Je sais pas être sûr si c'est, c'est lui qui fait un coup de volant, si c'est moi qui lui rentre dans le fion, mais j'ai peur que ce soit moi. Stay on the right. Clear. Left side. Keep to the right. Clear on the left. Petite bagarre là qui s'installe. T'es fort large, je trouve là. Allez, on est dans le top 10. On est 10e. On se bat pour la 9e place, c'est bien. J'ai énormément de saleté, c'est bien le troisième tir off que je tire alors qu'on n'est même pas au tir de la course. Je sais pas s'il a le droit de sortir 4 roues au-delà du vibreur à la sortie du dernier virage. Oui, tu peux, tu peux. Parce que là, il regagne un peu le temps que j'arrive à moi récupérer. Faire le parfait exemple, on peut, hein, pas de problème. Still there. Hold your line. Clear. Right side. Stay on the left. Clear. Allez, c'est bien, on est concentré. Sans doute se faire doubler par une voiture derrière. Oh, ils se sont accrochés! Incroyable! J'ai un drapeau jaune. Oh, ils se sont accrochés derrière! Quel dommage! Ah, c'était une belle bagarre là! Ah, William Lee, avec qui on était en bagarre, qui était vraiment très très propre. Ah, dommage, c'était un joli duel qui durait depuis 3-4 tours, là. On avait réussi à reprendre l'avantage. Ah, c'est dommage, j'aurais bien aimé que ça dure. En tout cas, on avait un William avec un niveau proche de ce que nous on avait. Et c'était vraiment très intéressant. Parce qu'on pouvait jouer un petit peu. Et ça, c'est assez rare de tomber sur un pilote qui a vraiment votre niveau à ce point-là. En tout cas,
Le principal, c'est que nous, il nous reste une voiture à doubler pour être à notre position sur sur la grille, puisqu'on est avec le 8e Dossard. Je me demande bien combien on a de tir-off dans toute cette aventure. J'en ai déjà tiré 4. Je crois que c'est limité. À vérifier, mais j'en retire beaucoup et il y en a toujours, je pense. Il y a encore de la fumée devant la ligne droite des stands. Ah, effectivement, c'est Zolt. Encore ? Ouais, qui est encore au box. Ah, allez, on est à 10 tours de l'abaissement du drapeau à damier. Et devant, on a la voiture d'Andy Long qui est en difficulté. Et nous, on vient de bloquer les deux roues devant. Pour la première fois en boule de ligne droite, là on a freiné assez tard et le freinage appuyé n'a pas été au goût du train avant. On a Andy qui est 11e derrière nous. Ouais. Pas mal. On revient de loin. Oui, surtout avec le pit stop que j'ai dû faire moi. 14 et 16e et lui a eu un arrêt. Alors on va profiter évidemment de cette petite accalmie de notre côté. Je vois qu'Andy n'est pas trop à la bagarre non plus. Non, ça va. Pour vous rappeler évidemment que vous pouvez soutenir cette série avec un petit pouce bleu. N'hésitez pas à donner évidemment vos réactions en commentaire, c'est aussi important. Et vos critiques, qu'elles soient positives ou négatives, sont toujours les bienvenues tant qu'elles sont constructives, bien entendu. C'est la seule condition à l'aventure. Voilà donc pour le petit message. Et n'hésitez pas à faire la même chose ici, hein. N'hésitez pas aussi à soutenir cette chaîne qui est bien inférieure à celle de Maxou, mais voilà, je suis très fier aussi, donc n'hésitez pas, vous avez envie à laisser un petit pouce bleu sur cette vidéo. Comme ça les messages de promo sont faits. C'est important. C'est important parce que des fois on n'a pas forcément envie de le laisser ou le temps en fait. Enfin pas envie, oui, je peux comprendre. Seulement pas la pensée en fait. Voilà, et si on n'y pense pas, nous on sait pas que ça vous plaît. Alors qu'en réalité il n'y a rien de mieux que le feedback pour savoir qu'est-ce qui vous plaît, qu'est-ce qui vous plaît pas, qu'est-ce que vous avez envie de voir. C'est vraiment un plaisir. Moi j'ai encore un peu hésité, mais certains me demandaient la webcam dans les épisodes de l'aventure iRacing. C'est le cas pour ces épisodes-ci, ce sera peut-être pas le cas pour tous les épisodes, ne prenez pas ça comme une donnée acquise, mais en tout cas pour cette course-ci et je crois la précédente aussi, vous aurez droit à la webcam. Voilà, donc le petit message étant maintenant passé, on va essayer de se reconcentrer pour terminer les 8 dernières boucles de cette épreuve. Et là-bas, au bout de la ligne droite, vous la voyez peut-être, si vous nous regardez en haute qualité, eh bien, il y a Andy Long. Oh non! Ah, c'était tellement juste. Et on va perdre du place, du coup. J'ai fait plusieurs drifts qui se sont mal terminés. Sorti? Non, juste drift. Il y a une toute petite sortie, mais très légère, malheureusement, qui fait prendre un point de pénalité. Qui nous fait perdre de position surtout. Très dommage. Personnellement, je viens de frôler le off-track. Bon, va falloir attaquer pour reprendre la 11ème place. Voilà, j'ai l'impression d'avoir gros souci au niveau des pneus. C'était pas le cas avant, j'ai fait encore un pénalité. Je pense que je vais finalement arrêter l'attaque et tant pis pour ceux de devant parce que. Il faut pas que j'abuse avec les pénalités non plus. Là j'essaie de passer en B. Normalement avec cette course ça devrait le faire, je l'espère. On était à 3,94 en pré-course. De toute façon vous aurez les résultats définitifs pré et post-course dans la description au niveau de l'iRating comme je le fais à chaque course.
Je suis en train aussi de les malmener les pneus. Hein. Au bout de la ligne droite, je freine très tard. On entend que ça crisse. Sauf catastrophe ou accident. Ce serait une 9e place. Pas ma vidéo. Pourquoi ? Je me rends compte depuis tout à l'heure que j'enregistre tout sauf ma voix. Ah ! Oh, quel film. Ouais, ou sinon je vais la mettre quand même. Par contre, faudra regarder la vidéo de Maxo en même temps si vous voulez entendre ma voix. Voilà. Je le mettrai en non répertorié et puis d'ailleurs si tu veux la linker toi. C'est parce qu'il y aura mon moteur, sinon je peux toujours envoyer mon son malheureusement. Ouais, ça ira pas. C'est la même bande sonore évidemment. Parce qu'en fait, habituellement, quand j'enregistre les épisodes de l'aventure iRacing, je procède avec Shadowplay et Audacity. Mais pour la webcam, pour me simplifier un petit peu le temps de montage, etc., je veille juste au niveau du moteur à mettre le bon niveau. Et en fait, ensuite, je record là avec X-Split. Allez, 5 tours. Pour la technique, j'étais sur Action avant. Depuis peu, je suis sur X-Split aussi. Avant le top. Il y a beaucoup de gens qui le demandent en fait. Ça m'intrigue aussi. Beaucoup de gens demandent avec quel programme on travaille. Ouais. Comme ça, vous avez aussi un élément de réponse. Alors que nos amis hispaniques sont en pleine signature de traité de non-agression. Bah, que tu m'attaques pas, hein. Écoute, mes bases en espagnol ne sont pas excessives, mais c'est un peu ce que j'ai compris. Non attaco parce que pas la morena. Il a Camisa Negra. Camisa Negra. Oh. Allez, on prend encore quelques dixièmes. On est quasiment remonté à 10 secondes devant William Lee. Bon, je vais être très honnête, ce circuit, c'est vraiment pas mon circuit. Je me suis rendu compte en Cadillac, je m'en rends compte ici. Alors c'est autant je le détestais en Cadillac, autant je l'adore avec cette caisse. Peut-être pour une question de visibilité, tout simplement. Hein. Oh ! Petite frayeur. Comme vous avez pu l'entendre.
RIP Headphone Users. On a perdu une demi-seconde sur Andy Lang, donc c'est pas trop grave. Alors c'est pas mon nouveau pseudo, hein. C'est vraiment un mec qui s'appelle Andy Lang. D'ailleurs c'est Andy Lang sur son pseudo. Est-ce que c'est le fils de Patrick? Patrick Lang? Ouais, pilote Weck. Jacques? Jacques Lang? Oh c'est génial. Non, excusez-moi. C'est chier. Il nous reste 3 tours, on va pas commencer les imitations. Dommage. Ouais. Mais là, le transfert de charge m'a fait un petit... Ouf. Coup dans les fesses. Ça reste ça. Et ici, là, le up, le gauche, droite... Je sais pas si c'est mes traces qu'il y avait là par terre, mais on a serré les fesses quand même. Hein. Allez, l'avant-dernière boucle. Est-ce que tu as gardé ta footcam pour cette course? Oh, je la laisse tout le temps maintenant. En fait, seulement la footcam, c'est une petite Logitech que j'ai littéralement scotché à mon Wheelstand. Donc maintenant, je peux plus la retirer. Je la laisse en vidéo. Mais tu l'as bougée parce qu'avant elle était sur le côté, maintenant elle est au-dessus. C'est ça en fait, elle est scotchée sur la barre. Ah, d'accord. La barre du milieu de mon Wheelstand. Je suis monté sur les freins. White flag, one more lap to go. Alors, donc, encore une fois, niveau technique, hein, la footcam c'est très bien, mais vu que c'est une caméra de très mauvaise qualité, il faut qu'elle soit très très bien éclairée. Et c'est très chiant d'éclairer un pédalier. Ça déconcentre. Parce que souvent c'est sous un bureau, c'est sous. Voilà. Ah, souvent c'est sous, c'est sous un bureau, oui. Ah, j'ai eu un peu de mal là sur la fin de ce tour là. Alors que Yann Bassi, avec qui on a eu un accrochage, est au box. Et ça va permettre, je pense, à Andy de récupérer une éventuelle 10ème place, je crois. 11ème en tout cas. 12ème. Mais je fais la bagarre donc c'est pas sûr. Et moi, je ne peux m'en vouloir qu'à moi-même. J'ai pris mon premier off-track. J'ai juste freiné trop tard à vouloir regarder le classement. Donc ça n'est que ma faute. Par contre, voilà, là j'ai fait de la merde en boîte. Du coup, j'ai reperdu la position que j'ai gagnée avec le mec au stand. Désolé pour cette faute assez bête, je dois l'avouer. Bon, moi je vais m'excuser, mais je pense qu'il n'y aura, aura pas de vidéo de mon côté, il n'y a pas de gros intérêt. Et puis, en plus, avec le souci de son, je pense qu'il n'y a aucun intérêt à ce que je mette cette vidéo en ligne. Je vais quand même garder l'enregistrement qui me servira, moi, de mon côté, mais après, voilà. La vidéo, je pense, ne sera que sur la chaîne de Maxime Le Pilote. Et voilà, je fais une pénalité de plus, c'est incroyable. Tellement mauvais, ça. Allez, c'est fait, on est 9ème. Great job, you did really well. Et quand je vois l'écart avec Andy Long, on peut avoir des regrets de cet accrochage parce que sincèrement, si on n'avait pas été ralenti, on aurait peut-être pu aller se battre avec eux. Et bien voilà, on va refermer ici ce nouvel épisode de l'aventure iRacing. Merci de nous avoir
suivi. On se retrouve très vite pour une nouvelle course, peut-être dans une autre catégorie, parce que je l'espère, normalement, on devrait passer en classe B, ou en tout cas en être très proche. Merci à Andy pour sa participation, malgré les petits soucis techniques. Merci à toi, et puis j'espère que tout le monde a apprécié la vidéo. Et on salue quand même Emeric qui était avec nous au début et qui s'est contenté de nous écouter pour cette course. Salut. Voilà. Salut. Allez, on vous laisse. Merci à toutes et à tous. Rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures. Et d'ici là, bon amusement en piste, quelle que soit votre simulation favorite. Salut. Salut. Ciao.